Fire! In the name of Jesus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Mon fils! Le Seigneur t'a choisi parmi plusieurs. À partir de maintenant, tu ne vas plus défricher la forêt, mais tu vas défricher la maison du Seigneur. Suis-moi, mon fils. Mon père, la maison du Seigneur, là, pour défricher, ça paye combien? Ça paye le royaume des cieux. Ça paye la vie éternelle. Ça paye l'amour et l'affection du Seigneur pour l'éternité au nom de Jésus. Amen, amen. Parce que tu dis que Dieu voit tout, non? Oui. Il fait comment pour mes problèmes de loyer? C'est un problème, ça. C'est un problème, ça. Le loyer, c'est un problème qui peut dépasser le Seigneur. C'est pas un problème, ça. Bon, il y a une maman là au quartier. Je passe souvent manger chez elle, comme elle vend la nourriture. Ça fait 2 semaines, je lui dois 300. Tu vois, ça, c'est l'argent. Ça, c'est pas un problème que ce qui peut dépasser le Seigneur. Ça va, mon père. Et il y a une fille là au quartier, non? Elle dit que je l'ai enceinte. Depuis 3 mois, elle fait que mes gars. Oh, mon fils, faut pas exagérer, hein. Faut pas exagérer aussi avec tes problèmes là, tu entends non? Mm-hmm. Quand tu es parti faire là-bas, tu as Yamo, tu as Joie là-bas, il y avait qui avec toi? Tu as Yamo seul non? Maintenant tu vas venir porter ça pour mettre sur le Seigneur. Mais fais-toi hein! Ça va, ok, faut pas exagérer. Donc maintenant là, tu vas poser ta machette, tu vas me suivre parce qu'à partir de maintenant, tu vas défricher la maison du Seigneur. Tu vas ramener les âmes vers le Seigneur. Et le pasteur Valérie que je suis, qui est le représentant du Seigneur sur terre, sera ton guide. Tu seras mon assistant. Allons-y. On va travailler pour le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Tu vas devenir un homme nouveau. Tu vas naître de nouveau. Parce que tu dis que c'est Dieu qui m'a choisi. Il y a une amie là-bas qui est en train de déficher aussi. Pourquoi il ne l'a pas aussi vu? Tu discutes avec le Seigneur. Tu discutes avec le Seigneur. C'est quelqu'un ça. Ok. Oh, oh Seigneur. Oh, un esprit malin. Lâche la machette. Lâche la machette. Au nom de Jésus. Oh, démon dans ce corps. Oh, sort de ce corps. Oh, démon. Oh, démon. Donne ton nom. Donne ton nom, Zoltan. Oh Zoltan, Zoltan. Oh Zoltan. Zoltan, au nom de Jésus, amen. Zoltan, je t'extirpe de ce corps, je t'extirpe de ce corps, oh lâche cet esprit, lâche ce corps, au nom de Jésus, oh Zoltan, libère-le, au nom de Jésus, amen. Roi Santa, alléluia, amen. Zoltan t'a libéré, et à partir de maintenant, tu vas t'appeler Arthur. Bon. C'est vrai que c'est ton vrai nom dans la vraie vie. Hein? Mais tu vas t'appeler Arthur à partir de maintenant là. Et maintenant, suis-moi. Nous allons servir le Seigneur. D'accord, mon père. Toi comme assistant, moi comme pasteur. Ok. On y va. Lève-toi. Tu as eu une promotion aujourd'hui. Merci, le Seigneur t'a choisi. Merci, mon père. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Ouais. Écoute le pasteur quand il chante. Suis-moi, monsieur, la gamme, non? Non, c'est vrai. Tu as dit que je suis assistant. Voilà. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment? Voilà, c'est comment, Seigneur Jésus? Voilà, on le prend. Seigneur Jésus. Non, voilà. C'est Jésus. Jésus. Voilà, on le prend alors. Voilà. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Comment ne pas te louer? Depuis là, tu parles seulement, tu me dis que tu es l'élu de Dieu, l'élu de Dieu. Moi, je n'ai pas les problèmes avec Dieu. Hein. Mais il veut au moins voir, il veut voir si c'est la vérité. Il veut voir comme ça avec mes yeux ce que tu peux faire en tant que l'élu de Dieu là. Donc, tu t'appelles Arthur Thomas. Tu as la foi de Thomas. Tu veux voir avant de croire. Oui. Tu veux voir la puissance du pasteur avant de croire. Oui, il veut voir avec mes yeux. Ok. Je vais donc te montrer les miracles du Seigneur. Je vais te montrer ce que le pasteur Valérie peut faire au nom de Jésus. Mm-hmm. Ouvre les yeux et vois. Ouais. Tu vas voir un nouveau miracle. Le pasteur Valérie va prier. Et cette mangue va tomber au nom de Jésus. Ok, pasteur. C'est pour te montrer la puissance. Comme tu doutes du pasteur Valérie. Comme tu manques de foi. Tu vas voir que le pasteur Valérie, c'est le seul pasteur sur terre qui a l'onction spirituelle. Je vais prier et la mangue va tomber au nom de Jésus. Koroba santa, la koroba santa. Au nom de Jésus, oh toi mangue, je te commande, je t'ordonne de tomber. Tombe, 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 tombe. Tu ne tombes pas. Tu ne tombes pas. Tu vas tomber. Au nom de Jésus, tu vas tomber. Tu vas tomber. Voilà. C'est tombé. Voilà le miracle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur Valérie est puissant. Ce n'est pas fini comme miracle. Tu vas voir. Ouvre les yeux et regarde la puissance du Seigneur à travers le pasteur Valérie.
vu les miracles du Seigneur. Le pasteur Valérie n'est pas n'importe quel pasteur. Au nom de Jésus. Amen. Tu as vu? Tu as vu? J'ai vu, pasteur. Sur cette terre, dans le monde entier mondial, il n'y a pas d'eux. C'est le pasteur Valérie. Donc à partir de maintenant, tu suis le pasteur Valérie. Non, pasteur, je ne te suis même pas. Je te poursuis désormais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, pasteur. Amen. Comment ne pas te louer?